venu chez Ikea. Emilia m'a dit, laisse-moi faire, ils vont m'entendre. Ah, ils vont m'entendre, regardez. Est-ce que ça c'est une rainure? C'est quoi prison comme défonceuse chez Ikea pour faire des trucs comme ça? Emilia? T'as demandé? Ouais, bah, il est en train de se soigner. Ouais, c'est surtout moi qui suis allée. Merci. Voilà, on est sur un échec total. J'ai eu un coup de fil en fait. Sinon, ouais, je l'aurais fait. T'as eu un coup de fil au moment où je passais en caisse. J'ai choisi qu'on m'appelle ou pas? Bah, t'aurais pu choisir de ne pas décrocher tout de suite et de rappeler plus tard. Ouais, voilà. Ça se trouve, il a intérêt de me changer. Il a dit quoi? Il a dit que comme on l'avait acheté il y a 2 ans, ça passe pas sous garantie parce que c'est sous garantie 6 mois. Ah bah voyons, mais ils vont sûrement faire un effort parce que là, clairement, c'est. Bah, il est parti voir en réserve pour savoir si, s'il y a encore une pièce de dispo, mais sinon, c'est pas sous garantie. Donc, je ne sais pas comment. En même temps, tu veux qu'il aille faire quoi? La fabriquer? Il a pas ouvert un paquet pour nous en sortir une. C'est sûr. Le hot dog. J'ai trop envie d'aller me faire un hot dog d'Ikea après. Là. C'est le petit hot dog à 50 centimes. Je crois qu'il a monté, c'est 1 euro maintenant, non? Avec l'inflation et tout. Il a déjà été à 50 centimes. Inflation Covid? Non, ça a toujours été à 1 euro. Au pire, je te jure, il y a une époque. Dites-le en commentaire. Il y a une époque, le hot dog d'Ikea était à 50 centimes. Bon, il est parti avec sa plancha, là. C'est, il fait le tour du monde, je vous le dis. Et il demande au responsable, est-ce qu'on peut pas lui faire une rainure? Bah, c'est toi, t'es déjà en train d'abandonner. Tu nous as dit, si tu trouves pas de solution, vas-y, je vais le faire à la défonceuse. Alors que non. Défonceuse de Walt, achetée chez Max Lottie. Le feu. Bon, verdict les amis. On est vénère. Ils peuvent rien faire pour nous. Voilà. Alors que c'est une pièce qui a un défaut de fabrication flagrant. Et ben on va se faire foutre. Voilà. Parce qu'on n'a pas le ticket de caisse. Voilà. Donc pour rappel, en fait, il y aurait dû avoir une rainure ici. Mais elle est faite, mais juste sur la partie blanche. Vous voyez, une micro-rainure. Et en fait, elle a été faite de l'autre côté. Là. Ici, là. Derrière le blanc, le plastique blanc. Bref. Ça a été mal fait, mais ils veulent pas faire d'efforts pour nous. Voilà, donc merci Ikea, c'est cool. On va se faire foutre et on va aller le faire à la maison, on va le faire à la défonceuse. Voilà. Bon les amis, samedi, on est passé chez Ikea pour acheter plein de trucs. On n'était encore jamais allé à Ikea pour l'usine. Mais là, on s'est simplifié la tâche pour quelques éléments. Vous allez voir, on va rentrer, on va tout installer, vous allez comprendre. Pour l'instant, on vous dit pas plus. Et évidemment, on a pris le fameux hot dog d'Ikea. Et oui, évidemment, 1 euro, c'est excellent. J'ai envie d'en prendre 15. Et après, tu rentres à la maison, t'as plus faim. Vraiment, on l'a fait à manger. T'as déjà mangé 15 hot dogs et c'est mort. Allez, c'est parti, on charge. Bon, on n'a pas de ficelle. Il y a la pluie chez Ikea. Alors, il y a plus rien. On utilise le plastique pour. Fermez le coffre. Encore un do it yourself. Bien trouvé. Décidément. Elle est forte cette racheteuse styliste. Hein. Elle va y arriver, ça le fier. Incroyable. Allez, j'allais m'installer sur mon trône. Bien arrivé à la maison, déchargement. Vous allez voir, on a acheté plein de trucs, dont un bureau qui est de base pas très beau. Mais on va le do it yourself. Voilà, encore une fois, on achète un truc chez Ikea. Ça peut pas rester comme c'est, évidemment. Les coins ici, on a vu immédiatement tous les deux, il faudrait qu'ils soient pas pointus. On est vraiment dans la saison des arrondis. On arrondit les angles. Bon, voilà un peu l'idée. Nous avons nos 3 caissons à double tiroir Ikea. On a posé un plan en coriandre dessus et ensuite par-dessus des vasques à poser. Donc il faudra tout percer, etc. Évidemment, parce que c'est pas, tout n'est pas fait pour. Voilà un peu le concept. Qu'est-ce qu'on en pense, réaction à chaud? Réaction à chaud, je pense que j'ai pris un peu trop court le plan de travail. En fait, je t'explique pourquoi, mais il faudrait que je fasse un croquis encore une fois. Non, mais c'est que, en fait, sur les meubles Ikea, ici sur les côtés, ouais. Je voulais faire une structure en bois arrondie comme ça. Est-ce que tu imagines un peu ou pas? Non. J'ai une idée. J'ai une idée qui vient comme ça, mais ça pourrait être incroyable. Oh, j'ai une idée. Bah, dis-moi en fait. C'est qu'en fait, t'as un premier plan en coriandre, ouais. Et on le pose sur un plan en bois, un peu plus, qui dépasse un peu là, mais là qui dépasse beaucoup. Et t'as une suite où tu peux poser de la déco, et en fait ça fait un plan sur un plan. Donc un plan coriandre pour la partie vasque, mais il est plus large et beaucoup plus long là-bas, et en bois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Attends, j'arrive. Donc là, c'est le meuble avec le plan en coriandre. Et ici, en fait, en bois plus foncé, on viendrait en fait faire. Tu vois, on pourrait même faire une étagère ici pour mettre des petites serviettes de chaque côté. Et ici, ben, il y a les vasques. Hop. Le coriandre qui monte avec les robinets et les miroirs. Mais ici, du coup, au bois, pour réchauffer un petit peu le tout. Ah, regarde, il y a le trait des tiroirs. On pourrait faire tiroir
étagère. Et comme ça, ici, on met des serviettes, tu vois. Ça pourrait être sympa. Et toi, ton idée, du coup, ce serait plan en bois en un seul pan, avec ici le truc en coriandre qui viendrait dedans. Bah ouais. Et les meubles tiroirs. Mais moi, je voyais un plus. Je voyais rien ici pour faire un peu un décadré, tu vois, un asymétrique, c'est-à-dire vraiment ce côté-là, plutôt faire ça en bois. Mmh. Et là, on s'arrête là et on fait une asymétrie. Et là, le coriandre, on l'arrondit. Parce que là, ça fait très... C'est trop là, c'est trop symétrique pour moi, quoi. Tout pareil, tac, tac. Alors que là, on s'arrête là, court. Mais ici, on le fait un double plus long. Ouais, mais t'as pas peur que ça fasse trop une petite courbe et une grosse courbe? Qu'à l'œil, ça va faire tordu, enfin bizarre. Je sais pas, c'est une bonne idée aussi, mais j'ai peur qu'en fait... Sinon, on peut garder. Non, mais on peut garder ça. Mais ici, on en fait un plus long. Mais c'est le même arrondi, hein. Sauf que là, tu continues plus de distance, ici, là. Tu continues droit. Ouais. Et après, le même. Mais ça fait un peu un... Ouais, pour déstructurer un petit peu. Ouais, et là, c'est la place juste pour des serviettes. Mmh. Et là, plus pour poser de la déco, vraiment même une lampe. Ouais. Bon, ça fait du taf tout ça, on s'emballe encore. Non, ça peut aller vite. Non, ça va pas être vite du tout, ça fait 3 ans qu'on y est, y'a rien qui va. Voilà, le plan de travail, on l'a commandé sur le site de Reluxa, plan de travail en coriandre, et les vasques aussi. On mettra dans la description le lien. Bon, on a coupé tellement c'était long, on s'est pris la tête, enfin pas entre nous, hein, mais on s'est pris le chou pour vraiment trouver la meilleure des configs. Et en fait, si on décalait tous les meubles, les vasques en fait n'étaient pas centrées en fonction des meubles et vous auriez eu la même réaction que dans les toilettes, c'est-à-dire que la chasse d'eau n'est pas centrée avec le carrelage. Donc là, c'est pareil. On a essayé en fait de mettre la vasque alignée au meuble. Et ici, en fait, il y a un espace où ça va nous permettre de faire une étagère, en fait, sur mesure en bois. Et ça va casser au niveau des lignes. Et ici, on va effectivement refaire un petit meuble arrondi pour poser ici de la déco et des serviettes également. Mais on trouve que c'est beaucoup mieux, en fait, de fermer l'angle là. Emilien, depuis le départ, il aime cette idée de fermer, en fait, le meuble sur le mur. Et c'est vrai qu'il a raison. Même ici, si on met un beau vase, là, le lustre, il ira dans le coin, je pense. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être top, je pense. Alors, je vous filme un petit peu la mezzanine avant qu'il ne fasse trop noir, mais depuis notre déménagement, cette pièce n'a aucun sens. On a stocké ici des matelas, des armoires IKEA. C'est un bordel. D'ailleurs, on va s'en débarrasser. On fait un stockage de lustres ici. Il y a encore des papiers à ranger. Et dans notre dernière vidéo, vous avez vu l'espace bureau du bas, qui est un vrai bureau où on bosse régulièrement. Et ici, il y a l'espace gaming d'Emilien. Donc, il y aura un second bureau spécialement pour lui, avec toute son installation. Et ici, on manque cruellement de rangement pour y mettre tous nos papiers. Ici, il y a un autre espace où on va pouvoir ranger et stocker l'espace qui est sous la verrière. Donc, je vous filme un petit peu avant, puisqu'en fait on est en train de monter tous les caissons, et puis je vous filmerai après le résultat fini, bien évidemment, pour ceux qui nous rejoignent. Ici, il y aura un garde-corps. On a bien en tête de sécuriser toute la mezzanine. Ce sera fait. On est en train de chercher justement les poutres, parce qu'en fait de base on voulait un garde-corps en verre. On a changé l'idée et on voudrait en fait refaire un petit muret ici de chaque côté et y mettre une poutre ici de 6 mètres. Je vous mets une petite photo d'inspi juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus de la chose, mais ce sera un peu plus chaleureux et plus exotique, un peu dans l'esprit Bali et toute la déco qu'il y a ici. Voilà. Ça y est, on a fini de monter nos meubles. Il y en a partout, comme d'hab, il reste plein de pièces. Ça, c'est Ikea, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller débarrasser toute la mezzanine. On va manger des boulettes. Des boulettes d'Ikea, puisqu'on a acheté des boulettes aussi, en plus du hot dog. Et on met en place tout ça. Et après, il y a le bureau gaming. Ouais, tu l'auras pas annoncé parce qu'on a rien filmé. Il s'est acheté un bureau. Ouais, on a acheté un bureau chez Ikea. Là, c'est le plateau dedans. C'est un bureau gaming. Voilà, comme ils l'appellent. Pourtant, moi, je joue pas. Donc, vous allez vous dire pourquoi il achète un bureau. Toi, tu
Voilà. Super, ouais, t'as raison. Et c'est un bureau électrique et en fait, on peut monter le plateau et le descendre. Donc ça, c'est cool. Et en fait, malheureusement, il existait qu'en noir. Il fait un peu kéké de base. Donc on va complètement le customiser, changer sa couleur et tout. Donc il y a un peu de taf. Mais on va déjà le monter, vous allez voir. Bon, c'est parti, on a tout monté sur la mezzanine, les amis. Il est tard, on a mangé, on est requinqué. Et donc, on va positionner tous ces meubles qu'on a achetés. C'est parti, on y va. Grand moment les amis, il est minuit et demi, Emilien est en train d'installer son bureau de geek, regardez-moi ça. Il s'élève jusqu'à au moins 1m50, je ne sais pas quel est l'intérêt. Ok, bon les amis, on a terminé de monter tous nos meubles. Donc là, on a une base. Évidemment, c'est pas du tout terminé. Je préfère vous le dire tout de suite. Ne vous affolez pas. Donc, on a ici notre banc avec trois tiroirs. Mais non, mais c'est déjà beau. Ouais, c'est déjà beau. Mais en fait, le but d'acheter du IKEA, c'est vraiment de se faciliter la tâche et ne pas créer les cuissons nous-mêmes. Et après, bien évidemment, ce qui est bien, c'est de customiser les meubles et pouvoir justement le mettre en notre image et en fonction de la déco aussi. Et en fait, les façades, on les trouvait hyper sympas. Donc, c'est des façades IKEA. Il y avait uniquement deux teintes, donc un peu ce rosé. Et il y avait un autre bois, mais un bois très très foncé, pour le coup, trop foncé pour nous. Donc on a pris en fait ces façades-ci, qui sont très déco, et on va venir les peindre, puisque le rose, en fait, c'est pas du tout nos couleurs. Ici, ça fera un banc avec des coussins aussi. Donc l'intérêt, c'est d'avoir ce petit banc plus des tiroirs. De l'autre côté, on a mis la même chose. Ce sera pas forcément un banc de ce côté-là. Je pense qu'on va laisser ce grand miroir. Donc et vous allez voir après, il restera pas comme ça. Et là, on pourra poser de la déco. Ici, donc on a acheté un bureau. C'est un bureau qui monte et qui descend, donc là ça sera vraiment le bureau pour chiller, un peu gaming et tout. Donc là c'est plus ma partie. C'est un bureau gaming. Alors attention, je vous le dis tout de suite, je suis d'accord, il est dégueulasse, mais attention. Et c'est là qu'intervient évidemment la touche Rachel, c'est que tout ça, nous allons les tout transformer grâce à un do-it-yourself. Nous allons changer la couleur de ces meubles, de celui-là aussi, et aussi du bureau. Donc là, le bureau, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc là, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je refais un meuble entièrement. L'idée, c'est évidemment de tout repeindre, il restera pas noir. Tout le plateau, on va le refaire. Les pieds en métal, on va les refaire. D'ailleurs, ce sera même pas juste le pain, on va utiliser la technique du bicarbonate qu'on a utilisé en bas. Mais toi, tu voulais pas. Toi, tu voulais laisser noir? Bah, moi, ça me dérange pas avec ton écran noir. Mais c'est vrai que toi, tu voulais. Ah ouais, non, moi, j'aime pas noir. Non, non, on va faire un plateau stylé. L'écran noir, il est noir, mais peut-être qu'un jour, si on trouve les mêmes en blanc, on changera. Donc là, on part sur Radio It Yourself. Peinture bicarbonate aussi ici, parce que l'idée c'est d'avoir des peintures à effet, vous allez voir, c'est pas juste on peint de manière unie, donc comme dans la salle de bain du bas. Donc Rachel s'occupe de peindre ces deux meubles là, pendant que moi je m'occupe du plateau et des pieds, donc je vais devoir dévisser, démonter le meuble, et on peindra certaines pièces à la bombe, notamment tout ce qui est métal. On va isoler et démonter au maximum pour pouvoir peindre facilement, et le plateau qui est lui en bois, on va venir le poncer et le peindre en bicarbonate, puis le vernir. Voilà, j'espère que ça sera pas dégueulasse à la fin. C'est parti, let's go au boulot. Je crois que j'ai fait une connerie. Comment on fait maintenant? Putain, c'est un enfer ça. En métal. Mmh. En blanc. Bah non, parce que après ça gêne pour le béton ciré. Mmh.
Bon les gars, vu que j'ai fait une connerie, j'ai renversé le saut de peinture et je l'ai transformé en revêtement de sol en fait. En vrai, c'est la meilleure strat pour éliminer une tâche, c'est de que tout devienne une tâche. Du coup, il n'y a plus de tâche. Du coup, je retourne sur mon bureau. Bon, j'ai mis une sous-couche vite fait à la bombe. Je sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, bon, si ça peut aider. J'ai mis grossièrement, hein, ça sert à rien de tout recouvrir. Là. C'est pour dire d'avoir une petite pellicule qui aide vraiment la peinture accrochée. Bon, en parallèle, pendant que mon bureau il sèche, du coup, je vais attaquer les pieds du bureau. Donc, c'est des pièces métalliques. Donc, je vais déjà passer un coup de ponçage un peu partout, histoire d'enlever un peu la pellicule de vernis. Et ensuite, on passera le primaire et la peinture. On a passé une première couche sous le bureau pour la couleur. La rêve, c'est ça, crème de couleur du Luxe Valentine, blanc satin. Voilà, terminé, bonsoir. Voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, c'est de la peinture pure, il n'y a pas de bicarbonate. Ce qu'on va faire, c'est que sur les pieds, c'est en métal. Donc j'ai passé un primaire à la bombe. Et maintenant, on va essayer de mettre la peinture, donc la même crème de couleur, mais avec du bicarbonate. Pour un peu, on va essayer de styler un petit peu les pieds. Quoi. Bon, là, Rachel a mis un tout petit peu de bicarbonate, pas trop. Et les pieds, du coup, on va les faire au rouleau. Déjà, au niveau de la couleur, on est bien. Ouais, la couleur, elle est belle. Franchement, c'est crémeux. C'est un blanc crémeux. Quoi. Ça, c'est la partie qui est pile poil sous le plan, avec passage de câble. Donc là, j'ai mis un premier coup de bombe de peinture sur l'ensemble. Primaire, pardon. Un premier coup de primaire. Par contre, ici, on a la partie motorisée, donc cette partie-là rentre dans celle-ci. Donc la partie qui rentre à l'intérieur, on mettra pas de peinture au rouleau, bicarbonate ou autre. Celle-ci, je vais juste la bomber légèrement en blanc. Mais de toute façon, celle-ci, elle sera quasiment rentrée tout le temps, à part peut-être une partie en haut qui se verra quasiment pas. Donc bombage en blanc pour que ça gêne pas pour rentrer à l'intérieur. Par contre, la partie extérieure ici, bah comme les petits pieds qu'on a fait tout à l'heure, donc rouleau avec un peu de bicarbonate. Pareil ici, pareil là. Alors, on revient sur le plan de travail pour la peut-être dernière couche. Et donc cette fois, on a décidé de mettre du bicarbonate. Donc là, on voit tout de suite, avec la reflet de lumière, on voit bien tous les petits grains. C'est vraiment l'effet du bicarbonate, là, tous ces petits grains. Vous voyez ici, il n'y a pas de bicarbonate. Et là, il y en a dans la peinture que Rachel met. Et ça va donner tout de suite, bon, ça va au toucher, ça va être granuleux, mais ça donne tout de suite un petit style. On passera un léger coup de ponçage. Pour dire que ça pique, ouais, ça pique pas, mais on va ressentir quand même quoi, cette texture. En fait, voilà. Il va y avoir un peu l'effet mat de la baie vitrée, tu vois, le noir mat que j'ai. Ah oui, ouais, ce côté, comment ça s'appelle? Bah, texturé. Ouais, c'est texturé, ils appellent ça noir texturé ou blanc texturé. On met un coup sur tes pieds là-bas. Ils sont prêts? Sur mes pieds. Donc là, c'est de la peinture avec du bicarbonate. Et alors, on a du mal à voir en vidéo, mais ça lui donne tout de suite un truc, un côté texturé. J'ai l'impression de voir du thermolaquage mat texturé, incroyable. Bon, pendant que notre bureau sèche, et le miroir aussi d'ailleurs, on s'attaque direct carrément au mur, quoi, tant qu'à faire. Donc ça part sur couleur champagne, donc la même couleur que le bureau, et la même couleur que les portes de meubles là-bas que Rachel a repeint, avec du bicarbonate, mur texturé, à la brosse. Vous pourrez voir que ça fonctionne sur des meubles, sur des murs, sur des gens, moi sur mes pieds par exemple. Voilà, ça fonctionne sur tout. Mais prenez des brosses très très larges, vous gagnerez du temps, voilà, simplement.
presque fini un pan de mur et c'est plutôt joli. Alors ce qui est difficile, c'est que là on est de nuit, il y a peu de luminosité, donc on a du mal à se rendre compte. Et je pense qu'avec la lumière, ça va beaucoup changer. Mais je pense que ça, là, ça réchauffe en fait. Et je trouve que c'est canon. Bon, on va aller voir un peu de plus loin. Et ça change toute l'usine. Ça change toute l'usine. Là, ça change tout. Waouh. Arrête. Ça change toute l'usine, vraiment. Alors en vidéo, c'est les couleurs, c'est pas pareil, mais ça change toute l'usine. Waouh. Eh, c'est trop beau. Ça réchauffe de ouf. Oh, ça fait tellement plus chaleureux. Tu trouves pas? Tu vois? J'en rajoute pas hein, quand je te dis ça. Ça réchauffe là-haut, un truc de fou. En fait, là-haut, c'est plus accueillant. Tu vois? En fait, blanc, c'est pas... T'as vu comment ça... Ce coin-là, il donne envie d'y aller. Tu sais, de mettre un coussin, de mettre un truc. On le voit quand même sur la vidéo. C'est... On fera les triangles peut-être demain là-haut, parce que là, on est fatigué. Il faut aller en hauteur. Oui, il est encore minuit, là. On fera les triangles là-haut demain. Mais franchement, c'est tellement plus accueillant sur l'étage. Waouh. Je pensais pas qu'un si petit truc, ça changerait autant. Mais là, ça change de ouf. Mais demain, on achète 3 pots. Et on fait tout. On prend tout le stock de Laurent Merlin, parce que de toute façon, les gens, ils vont tous aller l'acheter. Et on monte le bureau ou pas quand même, avant de... se coucher. On monte ton bureau ce soir, il faut attendre qu'il sèche vraiment. Ah ouais, il faut le vernir et tout, ouais. Putain, merde, je voulais trop le monter ce soir. Alors sur le plateau du bureau, j'ai égrené avec du papier 240, juste un petit passage de ponçage, pour dire d'avoir pas trop de rugosité avec le bicarbonate. On voit bien les effets là sur le plateau, grâce au coup de pinceau bicarbonate, donc c'est vraiment beau. Pigeons là ou quoi? Mon bras! J'ai pris une goutte! T'es mal occupé ou bien? Ah, vas-y, c'était sérieuse là! On dirait un pigeon! Là, je vais m'attaquer pour finir les rubans LED qui sont sur les poutres. Enfin, en tout cas, cette poutre pour l'instant. J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais j'avais posé uniquement le ruban à l'arrache pour l'instant. Donc là, on va finir tout ça propre. Pour rappel, c'est un ruban LED qui vient de chez SLV. Ici, on a... Alors, ça fait pas mal de trucs quand même, mais on a la ligne principale du ruban LED. Et on a un contrôleur ici pour changer sa couleur et pouvoir le contrôler tout à distance, en plus avec une télécommande. Ça, je vais le cacher tout simplement dans la poutre. Voilà, ça se verra pas. Donc ici, on aura un ruban LED qui va parcourir cette poutre-là. Et ici, on va utiliser, et ça, je le recommande vivement, ici, on va utiliser un rail en métal pour le mettre à l'intérieur et un diffuseur dessus pour que la lumière soit vraiment homogène sur le dessus de la poutre, que ce soit joli. Le métal ici du rail, il est très utile. On va coller le ruban LED dessus. Il va être utile pour diffuser la chaleur du ruban LED et donc optimiser sa durée de vie. Donc voilà, donc je vais découper un rail comme ça sur cette longueur-là et la longueur d'après. Là, il faudra qu'on passe aussi le ruban LED à travers, je sais pas comment je vais faire. Ici, on va mettre proprement le câblage, ça à l'intérieur, un petit coup de ménage, un petit coup de propre, et ça va être nickel. Pour le moment, on a 3 couches de vernis sur le plateau, donc là on le met en place, ça se marie bien avec tout le reste. Ça commence à prendre forme. Ici, tous les murs, on a peint, même la terre du couloir. C'est en train de sécher, ça va être trop beau. Voilà, donc là je vais revisser tout le meuble, vérifier que ça fonctionne bien toujours les vérins pour monter et descendre. Voilà, mais je vais rien poser pour l'instant, je continue à laisser sécher. Je me réveille ce matin et je retrouve Emilien sur son nouveau bureau. Voilà.
Il a l'air bien, en tout cas. Petit caleçon. Laisse-moi. Il lui manque juste une chaise de bureau, Yadi. Je dis qu'il te manque une chaise de bureau. Ouais. T'es en plein essai bureau, là. Ouais, je teste pour voir. Ouais, pour voir s'il est confortable. Recherche de notre évacuation perdue. Nous avons regardé nos anciens épisodes pour savoir où ils se trouvaient. Putain, j'en peux plus. Et en fait, on n'a aucun matos parce qu'il est sur notre autre projet. Donc il a dit qu'il allait faire un trou. Le ciseau. Mais tu fais quoi? Vas-y, faut percer au moins. Ah, tchoum! Alors? Tu sens les vagues ou pas? Non. Arrête. Il est pas là du tout. C'est vrai ou pas? Attends. Je crois qu'elle est plus à gauche. Imagine, il y a un rat qui attrape ton bras. Tu l'as ou pas? Tu sens le sol? Le rail du sol. Elle est derrière le rail. Il y a un tuyau d'eau qui passe ici. Allez, mieux savoir. T'as rien là? Non. Arrête. Et la vidéo est maintenant terminée. On t'invite à t'abonner, à nous rejoindre sur Instagram. On publie tous les jours du contenu de la rénovation. C'est un super endroit pour vous partager des choses au quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. À la semaine prochaine. Ciao.